Et puis les petits, on est plus ensemble du pays. Enfin, on fait parler de mon pays. Je te dis. Mais si quelqu'un dit même que pour manger là, c'est problème, est-ce qu'on va me croire? Regardez le drapeau. Ils sont. Non, ah. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, bonjour les artistes. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Bonjour, les artistes. Je vous en prie. Merci. Merci, monsieur. Merci de l'honneur que vous me faites pour cette visite de courtoisie. Je suis vraiment disposé à vous aider. Vous savez que le ministre de la Culture que je suis là, mon département et moi, pour vous accompagner, pour trouver des solutions à vos différents problèmes. Donc vous pouvez me dire tout ce que vous avez à me dire. Je crois qu'ensemble, nous allons trouver une solution adéquate à vos problèmes. Je vous écoute. Merci, monsieur le ministre. Je suis artiste, danseur, professionnel. J'ai fait le tour du monde. Plus de 7 ans. Je marche jour et nuit pour aller au bureau du droit d'auteur. Monsieur le ministre, Rien. Même aujourd'hui, il faut venir dans mon bureau. Je vous dis. Cher ami, je comprends votre problème. Ça me fait mal. Non, non, c'est impossible. Je ne sais pas vrai. Mais comment les gens peuvent nous considérer, mes amis? Quelqu'un n'a pas de papier. Moi, on m'appelle Nel. Nel Parcours, artiste musicien. Je sais que vous savez que nous avons beaucoup de problèmes. Absolument. Nous n'avons pas de salle de spectacle ici. Parce que même les cultivateurs, là, quand ils vont récolter leurs produits, c'est dans un lieu qu'on appelle marché Guimbo. Nous, on n'a même pas de salle de spectacle. Je sais que vous savez tout ça. À défaut des infrastructures et de tout ce que vous savez là. Parce que chaque année, vous nous dites la même chose. Au moins, regardez notre quotidien. Il a parlé tout à l'heure de droit d'auteur. Ah, quand même. Regardez ce côté-là, qu'on essaie de nous faire quelque chose, qu'on essaie de nous considérer un peu parce que c'est nous les premiers ambassadeurs du pays. Ne plaît pas. C'est bon, calme-toi. Je ne vais pas faire vous. Merci, monsieur le ministre. Moi, c'est professeur Gapr. Je suis artiste marionnettiste. Mais ça dépend. Je fais un peu de tout. Quand on veut même un chanteur, parfois j'y vais. Parce que, tu sais, oh, la crise là, donc il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Mais le problème, c'est que ce qui me fait mal, tout le monde a statut dans ce pays. Policiers ont statut. Même les marcheurs, ceux qui marchent là pour protester, ils ont statut. Journaliste a statut. Même le cultivateur a statut. Mais nous les artistes, qu'est-ce que vous avez fait? Il veut redire statut. Est-ce que c'est trop demandé? Non, c'est pas ça. Une petite statue. C'est vrai, monsieur le ministre. Une petite statue. Petite. Vous tombez à point nommé. Si c'est les statuts que vous voulez, justement, je peux vous en donner. Ouais, bon, ça je pense que ça peut vous convenir. C'est pas ça on demande, on veut l'argent, l'argent en statut. Statut en argent. Un statut, m'a dit c'est un nom, on fait les banques. Ça c'est un pied. Oh, monsieur le ministre, vous aussi. D'accord, c'est. Statut en argent. C'est l'argent que vous voulez. C'est ça. Est-ce que les autres ont. C'est ça. Vous savez, moi-même, je suis là. Je ne sais pas parce que j'ai fait au conseil des ministres, les gens ne veulent pas m'écouter. Quand je vais entrer au conseil des ministres, on me bloque à la porte. Moi, je ne sais pas ce que je leur ai fait. Les gens sont jaloux de moi. Le ministre, pardon, ne fais pas. Monsieur le ministre, ne fais pas. Pardon, ne fais pas, monsieur le ministre. Je ne fais pas. Pardon.
Pardon, si vous plaidez, nous on va faire comment? C'est ça qui est là, on est tous dans le même bateau. Non, c'est vrai, monsieur le ministre, pardonnez-nous. On va vous soutenir. On va vous soutenir. Excusez-moi. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Non, du courage. Du courage, hein, monsieur le ministre. On va vous soutenir. Du courage. On va vous soutenir. Le ministre même va appeler. Je t'ai dit pour pas qu'on va venir. Tu as vu maintenant, on va marcher pour pas qu'il y ait encore. Mais qui l'a trouvé au moins transformé? Oui, très bien. Afrique,